Grâce à Internet, les échanges commerciaux internationaux sont aujourd'hui monnaie courante. Il est maintenant aisé de contracter en ligne avec des personnes provenant des quatre coins du monde. Voici Pierre. Pierre achète une montre sur un site web. Mais quelle déception! La montre qu'il reçoit n'est pas conforme à la description qui en était faite au moment de l'achat. Il contacte alors le commerçant pour se faire rembourser, mais celui-ci refuse. Pierre n'a pas l'intention d'en rester là. Pour résoudre le différend auquel il est confronté, Pierre peut emprunter la voie judiciaire traditionnelle ou tenter de régler le conflit là où il est né, c'est-à-dire sur Internet. Les chercheurs du laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal optent pour la résolution des conflits en ligne et affirment que la solution, c'est d'en parler. Ils ont donc conçu une plateforme d'aide au règlement des litiges en ligne, Parle. Il s'agit d'un projet pilote qui explore le potentiel des nouvelles technologies dans le règlement des conflits de consommation survenus sur Internet et dans le monde physique. Ainsi, Parle cherche à arrimer le monde de la justice au contexte social actuel hautement technologique. Au lieu d'attendre souvent plus d'un an avant qu'un juge ne tranche le litige, Pierre peut entamer le processus de résolution en quelques clics. Pour ce faire, il crée son compte d'utilisateur, décrit le conflit qu'il oppose au commerçant et propose ensuite une solution pour le résoudre. Le commerçant est alors invité, par courriel, à prendre connaissance de cette proposition de solution et à y répondre, en l'acceptant ou encore en faisant une contre-proposition. Le conflit qui oppose Pierre et le commerçant peut ainsi être réglé rapidement, sans frais et sans stress, par ce simple processus de négociation. Toutefois, si les parties ne parviennent pas à une entente en négociant, chacune d'elles peut demander qu'un médiateur soit désigné pour les aider à résoudre leur litige. La plateforme Parle constitue donc une voie dans le règlement des litiges qui s'inscrit dans la lignée des modes alternatifs. La résolution de tous les types de conflits de basse intensité n'a jamais été aussi simple. La solution, c'est d'en parler.